Alors, salut à tous, c'est Chris, la chaîne Cinandroid. Je l'ai promis, chose promise, chose réalisée, le tirage au sort des 1000 abonnés, le giveaway des 1000. Alors, vous avez été 55 à participer. 55 à participer, ce qui fait beaucoup. Donc, il a fallu quand même pas mal bosser pour récupérer les noms correctement, vérifier si tout le monde était bien abonné. Donc effectivement, bah, tout le monde a joué le jeu correctement et tout le monde était abonné. Donc ce qui est une bonne chose et pas besoin de se torturer trop l'esprit par rapport à ça. Comme vous êtes nombreux et que c'était les premiers 1000, on a décidé, parce que c'est on, moi et mon ami, on a décidé de faire, tenez-vous bien, 3 lots, ce qui est plutôt cool. En fait, on a découpé les lots. Donc le lot numéro 1, c'est vraiment tout ce qui est smartwatch et smartphone. Le lot numéro 2, soit powerbank, soit sandbox. Voilà. Et le troisième lot, donc la personne qui était tirée en troisième aura soit un bracelet intelligent, support voiture, support bureau ou porte-clés. Donc des petits produits geeks, des petits produits rigolos, enfin voilà, des petites choses bien sympas. Dans le lot numéro 1, la boutique partenaire avec nous, Cinophonix.fr, nous a envoyé 2 choses supplémentaires, une montre et un téléphone. Parce qu'ils sont partis du principe que ce téléphone ne se vendra plus, mais je le trouve encore largement au bout du jour. Et vous verrez, bah, si vous le gagnez, ce que c'est. Alors, bien écoutez, on va faire tout de suite en fait le tirage au sort. Insérez chez vous, dans votre écran, le tirage au sort des 3 personnes. Alors, comme vous l'avez vu, le premier lot, c'est pour la ligne 17. Et la ligne 17, c'est une personne qui portait le surnom de Max River. Parce que je ne pense pas que ce soit son vrai nom. C'était Frédéric Kliambo. Et le troisième, c'était la ligne numéro 12. La ligne numéro 12, c'était Viet Ung Nguyen. Voilà. Donc voilà les 3 personnes qui ont gagné. Je suis désolé par les autres, mais c'est Random Power qui l'a décidé de cette façon. Je sais qu'il y en a qui nous suivent depuis longtemps et j'aurais bien aimé effectivement que des ancêtres qui nous suivent gagnent. Mais ça n'a pas été le cas. Ça sera certainement à la prochaine occasion. Et on a fait le tirage au sort des lots en découpé en 3. Donc je vous les mets tout de suite aussi à l'écran. Vous avez vu le tirage au sort des lots, donc je les ai en main. J'ai la personne, la ligne 17, qui était donc Max River, a gagné donc le lot numéro 4, qui est le VK700X. Le VK700X que l'on a testé et qui a prouvé sa résistance à pas mal de choses, à des tortures. Donc vous le verrez, Max River, c'est un lot plutôt sympa. On verra par la suite comment on fait pour procéder pour les envois. Ensuite, la ligne 52, le deuxième lot, donc c'était Frédéric Kliambo. Sincèrement, j'espère que vous êtes tous en France métropolitaine. Sinon, très clairement, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, dès le départ, mais ça va coûter vraiment, nous, trop cher en frais d'envoi, donc j'hésite. Vraiment, on va envoyer en fait en dehors de France métropolitaine. Donc vous me direz si vous êtes en France métropolitaine ou alors si vous avez quelqu'un en France métropolitaine,
Donnez-nous son adresse et puis c'est lui qui gérera, qui vous le donnera lorsqu'il vous verra ou ce genre de choses. Bon, bref, on gérera ça après. Donc le lot numéro 2, donc le 52 Frédéric Liambeau, c'est une batterie externe pour téléphone mais rechargeable au soleil. Un excellent produit parce que je l'ai et je l'ai testé et je l'utilise. Et le troisième lot qui était donc la ligne numéro 12 pour Viet Nguyen Nguyen, c'est le produit numéro 8. Et le produit numéro 8, c'est un petit casque filaire, intra-auriculaire, rangeable dans un macaron. Donc c'est pratique, c'est rigolo et il fonctionne plutôt pas mal. Le son n'est pas trop mauvais. Voilà, donc petit cadeau. Et c'est une marque très connue de casque. En Chine et qui se développe à l'extérieur en export, Sibyl. Sibyl qui fait pas mal de choses comme produits rigolos et voilà. Donc voilà les trois lots. Donc maintenant à ces trois personnes, vous allez envoyer un mail à l'adresse suivante, sinodroid@gmail.com. S-I-N-O-D-R-O-I-D. @gmail.com. Premier lot 17, deuxième lot ligne 52, troisième lot ligne 12. Donc premier lot Max River, deuxième lot Frédéric Liambeau, troisième lot Viet Ung Nguyen. Donc ces trois personnes m'écrivent et bien écoutez, on met en place l'envoi. Vous nous donnez votre adresse postale. Basé en France, bien entendu, je tenais à vous annoncer au travers de cette vidéo que je ne fais ça que par passion. Ce n'est que par passion que je fais ça, je ne cherche pas à gagner ma vie au travers de YouTube ou d'autres choses. Tout ce que je peux gagner au minimum par YouTube ou par la publicité qui se trouve sur notre blog, tout ceci, on met ça sur un compte et ça nous permet d'acheter des téléphones pour rester indépendant. Et je pense que la plupart des gens aime le fait que les reviewers, youtubeurs restent indépendants, parce que lorsqu'on est acheté entre guillemets par une marque, on ne peut pas être indépendant à 100%, c'est pas vrai. Ça c'est totalement faux, parce que vous faites du placement de produit. Qui dit placement de produit dit obligatoirement loyauté. Donc qui dit loyauté, vous êtes obligé de respecter des règles de présentation, des règles de revue de produits. Et voilà, donc moi, grâce aux revenus de YouTube qui, je l'espère, vont augmenter, aux revenus publicitaires, bah, j'espère que on puisse rester indépendant. Pour l'instant, on est deux personnes, on travaille et on met des deniers de côté, on met des sous de côté pour pouvoir acheter. Et on revend aussi les produits. Ces produits revendus nous permettent d'acheter d'autres produits. Donc on clôture là-dessus. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, les trois gagnants. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ce sera une vidéo de mise au point par rapport à un message qu'on a reçu sur les questions, propositions, de futurs tests, ce genre de choses. Il y a une personne qui m'a écrit, gentiment, très gentil, très 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 droite, qui m'a dit mais présenter du matériel pour le casser, c'est nul. Vous l'avez fait d'ailleurs avec un outil tel. Et je vais faire une petite vidéo par la suite, en tête à tête comme ça, pour vous expliquer ce qui s'est passé avec Oukitel. Je ne l'ai jamais fait et je voulais faire une vidéo coup de gueule là-dessus et je ne l'ai pas faite. Bref, elle va suivre après celle-ci. Alors, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, un petit pouce en l'air pour ce giveaway, même si vous êtes perdant, voilà. Mais au 2000, on le refera, mais on fera ça très court, hein, vraiment sur une journée. Et ça sera un top chrono et ça sera peut-être que 20 personnes, mais il y aura un seul gagnant et dans les 20 personnes. Voilà, terminé. Là, il y a beaucoup trop de monde. Donc on s'est dit, comme il y a beaucoup de monde, vous avez pas mal participé, on fait 3 lots, on a été gentil, je trouve. On a été sympa. Ça va nous coûter beaucoup plus cher en frais d'envoi qu'autre chose. Bref. Donc, écoutez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, à plus.